Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis et ben pour la suite de notre aventure sur les Sinscale Vista Jean, l'épisode numéro 22, en vrai je sais plus, c'est une catastrophe. Bref, en tout cas, je suis super content comme d'habitude de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et puis écoutez, sans plus tarder, on va directement commencer à jouer. Alors, comme vous le voyez, on ne se retrouve pas avec Craig et Selena, voilà. On a fait quand même pas mal d'épisodes avec eux. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve et ben avec la sœur de Craig, Andrea, ainsi que son mec Aaron Harris, mais aussi comme vous le voyez un troisième personnage. Ce troisième personnage, vous devez vous demander de qui il s'agit. Et bien souvenez-vous, lors du dernier épisode, je vous avais posé un petit sondage, voilà, où je vous avais demandé et bien en fait par rapport à la chambre du premier étage, voilà, de l'appartement qui ne servait un petit peu à rien, je vous avais proposé et bien d'intégrer un colocataire, voilà, dans l'appartement et tout. Je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa et c'est quelque chose que personnellement je n'avais encore, on va dire, et bien jamais fait, voilà, tout simplement. Du coup, et bien je vous avais posé le sondage, vous avez été très nombreux à répondre ben, positivement. Du coup c'est pour ça que eh ben, on accueille un colocataire dans notre appartement. Je pense que franchement ça va être hyper cool d'avoir un petit coloc et tout, on pourra faire pas mal de choses avec lui. Et donc ce colocataire se nomme Mathias Schall, voilà, je sais pas comment dire son nom de famille alors que c'est moi qui l'a créé, mais bon c'est pas grave. Du coup il se nomme Mathias Schall pour ce qui est de son inspiration c'est Hamster, amateur en amour, donc voilà c'est une inspiration de dragueur, voilà tout simplement. Après je sais pas si je vais la compléter ou pas, franchement je sais pas trop. Et après pour ce qui est eh ben, de sa simologie, il est donc joyeux, bienveillant, séduisant et végétarien. J'avais vraiment envie de faire ce colocataire végétarien tout simplement parce que eh ben, Andrea est végétarienne. Du coup eh ben, ça, je me suis dit qu'en fait ça pourrait être plutôt cool d'avoir deux végétariens en fait à contrôler, voilà, que ce ne soit pas la seule végétarienne quand même du let's play. Du coup voilà, c'est à peu près tout eh ben, pour la présentation de Mathias Schall, voilà, je sais pas comment on dit. J'espère en tout cas que eh ben, ce colocataire vous plaira. J'ai décidé de prendre un garçon. C'est vrai que voilà, j'aurais peut-être dû prendre une fille, mais bon voilà, je vous avoue que sur le coup j'avais vraiment envie de prendre un garçon. Du coup eh ben, c'est pour ça que je l'ai pris. Et donc écoutez, ben, ce que je vous propose dès maintenant pour commencer cet épisode, c'est que eh ben, on relook un petit peu cette chambre, parce que c'est vrai que voilà, elle est pas vraiment top. Franchement il n'y a rien du tout dans la chambre et tout, et j'ai quand même envie que ce colocataire vive dans une chambre, on va dire, plutôt cool. Donc écoutez, ben, sans plus tarder, on va directement aller dans le mode achat construction. Alors pour le style de la chambre, déjà on va supprimer le lit ainsi que la commode que voilà j'ai pas envie de mettre. Après pour ce qui est de la salle de bain de cette chambre, je pense pas que je vais la relooker parce que c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Du coup hop, on va enlever les petits quadrillages et c'est parti, on va directement ben, commencer le relooking de cette chambre. Alors tout d'abord pour ce qui est des peintures de mur et de sol, je ne vais rien modifier. Donc nous allons directement aller dans le mode achat et plus précisément dans chambre, et on va commencer par choisir le lit. Alors pour le lit, personnellement j'aimerais bien partir sur le lit de la Don Vista Jean que j'aime beaucoup. Mais cette fois-ci les amis, je vous avoue que j'ai vraiment envie d'utiliser des couleurs et des styles, on va dire. Ouais, enfin des couleurs, des styles, voilà. En gros des choses différentes de d'habitude. C'est vrai que voilà, on va dire que j'ai à peu près toujours les mêmes couleurs, tout ça. Cette fois-ci j'ai vraiment envie de changer. Donc tout d'abord on va partir sur ce lit et on va essayer de choisir une couleur qui sort un petit peu de l'ordinaire de ce que je choisis. Alors on a ce violet qui n'est pas vraiment, bon, super classe. Franchement je l'aime pas trop. On a ce bleu qui est plutôt sympa, mais je vous avoue que j'ai quand même un petit peu regardé à l'avance. Et celui là voilà, avec ce petit jaune et bleu turquoise, voilà, on va appeler ça comme ça, est plutôt sympa. Je vous avoue que j'aime plutôt bien. Du coup écoutez, ben, sans plus tarder on va placer ce petit lit qui franchement est hyper sympa. On va mettre, écoutez, ce luminaire là, on va le placer hop ici. Et du coup ouais, je place celui double ici, voilà, je place contre mur parce que si on place contre une fenêtre, je trouve que ça va pas trop. Après pour ce qui est de la table de nuit, parce que j'ai envie de placer une table de nuit à côté, j'ai bien envie de mettre la table de nuit qui vient là aussi encore de Vista Jean. Franchement une table de nuit que je trouve vraiment hyper sympa. Du coup pour ce qui est des couleurs, j'ai bien envie que ça aille avec le lit. Donc du coup je sais pas trop s'il y a des trucs qui vont avec. Écoutez, il y a celle là au cas où, ou bien celle là un peu plus traditionnelle, ou bien celle là il y a du bleu. Écoutez, on va partir sur celle-là, il y a du bleu et tout, c'est plutôt sympa. Après cela, on va mettre quelques petits luminaires, voilà, j'ai bien envie de mettre peut-être une seconde lampe comme cela. Hop, c'est parti, on va la sélectionner et on va la placer, écoutez, on va la placer, non en fait je sais pas où la placer. C'est bien parce que moi je vais placer une lampe mais en fait je sais pas où la mettre. En fait je suis quasiment sûr que je vais en placer une seconde mais je sais pas pour le moment. Du coup pour le moment on va placer en tout cas une lampe ben, que l'on va mettre sur ses valises. Du coup pour ce
cela on va donc en choisir une. Et je vous avoue que je sais là aussi pas trop quoi prendre. Celle-là est plutôt sympa. Écoutez, on va pas se casser la tête, on va prendre celle-là. Et après pour ce qui est des luminaires au plafond, Je vais prendre pourquoi pas les spots. Franchement les spots sont vraiment hyper bien. Genre c'est clair de fou et tout, personnellement j'en ai chez moi. Et c'est la base, ça éclaire comme jamais. Du coup c'est parti, on part sur des petits spots. Après cela hop, on va revenir sur les objets, voilà. Et on va choisir une commode. Tout d'abord j'ai envie de choisir un petit peu une commode genre un peu armoire et tout, qui vient là aussi de Vistadin, que j'aime beaucoup. Et on va prendre le même bois que le lit, voilà tout simplement. On va la placer ici. Alors attendez, est-ce qu'il y a d'autres couleurs de bois? Est-ce qu'il y a un bois plus foncé? Ouais, il y a ce bois un peu plus foncé. Ouais, jaune ça va pas du tout. Franchement ça fait, j'aime pas du tout. On a le bleu qui va bien avec le drap. Franchement, écoutez je pense qu'on va partir sur ce marron foncé que j'aime beaucoup. Donc hop, on va partir sur ça. Et après j'ai envie de placer une commode, mais j'ai pas envie de placer celle de Vistadin, parce qu'après voilà, ça fait trop d'objets de Vistadin. Du coup pour la commode, alors on a celle-là, mais elle est plutôt petite et elle va plus pour les chambres d'enfants. Du coup écoutez, pourquoi pas celle du jeu de base, elle est plutôt sympa. Donc hop, écoutez, on va la prendre. Je vais la mettre dans une couleur, pourquoi pas celle-là. Ouais, pourquoi pas celle-là, elle est plutôt sympa. Après j'ai envie de mettre des petites plantes, et j'ai personnellement envie de mettre des cactus. C'est un truc que je kiffe en ce moment. Voilà, faut pas chercher, moi les cactus en ce moment j'aime trop. Donc écoutez, on va partir sur deux cactus. Voilà, ça change un petit peu, c'est vrai que d'habitude j'en mets pas trop et tout. Donc hop, c'est parti, deux petits cactus et tout, tranquillou, voilà. Après qu'est-ce qu'on peut mettre, on va mettre pourquoi pas des petits cadres. Hop, c'est parti. Alors pour ce qui est des cadres, j'ai envie de mettre un cadre de Vistadin qui franchement est hyper classe. Par contre ça serait bien que je le retrouve, du coup je sais absolument pas où il est. Ça serait quand même bien que je le retrouve. Il est pas là, il est pas là. Où est-ce qu'il est? C'est super parce que genre en fait le truc c'est qu'il y a tellement d'objets que du coup tu te perds. Du coup moi je sais pas où il est. C'est super, attendez, ben hop, on va directement cliquer pack, on va mettre hop, Vistadin. Déjà ça sera un petit peu plus facile du coup. Et voilà, c'était celui-là. Et pour ce qui est des motifs, j'ai bien envie de partir sur celui-là qui est plutôt sympa. Alors pourquoi je peux pas la placer? Ah ok, il faut taper le code. Du coup écoutez, ben on va placer pourquoi pas ce cadre. Alors attendez, je regarde un petit peu les autres motifs. On a celui-là qui est plutôt sympa. Après est-ce qu'on a genre des motifs un petit peu genre qui vont avec le lit? Celui-là pourquoi pas. Après on a lequel on a? Oh, celui-là il rend bien. Ah ouais, celui-là rend super bien. Même si voilà le motif un petit peu fleur et tout, ça me tente pas trop. Écoutez, on va partir sur le noir. Voilà, on va rester dans quelque chose de plutôt traditionnel. Voilà, pas trop de couleurs et tout. On part sur celui-là. Et après j'ai envie d'en mettre un second ici, mais je vous avoue que je sais pas trop lequel mettre. Écoutez, j'en ai vu un qui vient de Vivre Ensemble, donc que j'avais vu genre il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, non, enfin un an et demi quoi. Du coup en tout cas il vient de Vivre Ensemble, et c'est bien sûr les petits posters. J'ai bien envie d'en placer. Voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas mis. Du coup hop, c'est parti. Pourquoi pas mettre ce petit poster, voilà, dans des couleurs un petit peu violettes et tout. Je trouve que ça va plutôt bien avec le lit. Et après pourquoi pas mettre une petite glace. Voilà, petite glace, pourquoi pas du jeu de base que j'aime beaucoup, et que l'on va mettre dans une couleur et ben marron, voilà tout simplement. On va la placer ici. Après pourquoi pas mettre le luminaire ici. Ouais, pourquoi pas le mettre ici. Après est-ce qu'on met peut-être une autre affiche ici? Ouais, écoutez, j'ai bien envie d'en mettre une autre. Du coup, hop, c'est parti. Voilà, il faut un petit peu remplir le mur et tout. Du coup, pour cette affiche-là, eh bien, pourquoi pas partir sur le petit cadre des Sims, que franchement, j'aime beaucoup. Donc, c'est parti. On est parti sur ce petit cadre. Et après, pour terminer, j'ai bien envie de mettre, bien sûr, un petit tapis. Les tapis de la base. Du coup, pour le tapis, j'ai envie de prendre celui de Vistadin. Si je me trompe pas, il vient de Vistadin. Alors, est-ce que je vais arriver à le retrouver, ou alors c'est celui de au bowling? Je sais plus, parce qu'en fait, il y a tellement de tapis que moi, je sais plus. Alors là, il y a celui de Vistadin. Écoutez, oh, j'aime trop. Ah, mais c'est les dessins à la craie. Oh, franchement, ça, pour une chambre d'enfant, ça pète. Et franchement, faudra trop que je place ça pour la petite de Craig et de Selena. En tout cas, c'est bon les amis, j'ai retrouvé le tapis que je voulais. Il vient là aussi de Vistadin. Alors, c'est un tapis avec pas mal de motifs que j'avais vu il y a pas mal de temps. Est-ce que je vais arriver à le retrouver? Alors, il était pas comme ça. Enfin, s'il était un petit peu comme ça, est-ce que c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là, mais celui-là est quand même pas mal. Écoutez, on va regarder les couleurs comme ça. Alors, on a celui-là qui est plutôt sympa. Après, on a celui-là. Oh, celui-là, j'aime trop. Ah, ben voilà, ben, justement, c'était celui-là. Ouais, c'était celui-là. Bon, mais écoutez, hop, c'est parti. Alors, juste mettre la caméra Sims 3 afin de tourner un petit peu pour que ça fasse quand même un petit peu plus naturel. Du coup, hop, on place ce tapis. Et après, j'ai envie d'en mettre un autre. Peut-être, pourquoi pas, par là. Écoutez, on va partir sur le tapis rond. Voilà, le tapis rond, c'est la base. Et on va mettre, pourquoi pas, celui-ci. Voilà, tout simplement. On va
va mettre celui-ci et on va en mettre deux. Après on a quoi comme seconde couleur? Alors on a ce bleu, non il va pas trop. Après on a ce jaune, plutôt sympa. C'est vrai que ça change un petit peu les tapis jaunes et tout. Écoutez, je pense qu'on va partir sur celui-là. Après on va placer bien sûr les petits rideaux. Écoutez, j'ai bien envie de mettre les mêmes rideaux que pour la chambre et ben de Aaron et Andrea. Donc hop, c'est parti, on va mettre ce rideau là. Et bien sûr on va le mettre ben, dans les deux sens tout simplement. Hop, du coup on met comme cela. Voilà, tranquille. Et écoutez, ben, je pense que c'est à peu près bon. Ouais, je pense que c'est à peu près bon. Voilà, on a fait petit aménagement rapide et tout. Je pense pas qu'on a grand chose à rajouter en plus. Donc écoutez, eh ben je pense que c'est à peu près bon pour cette chambre. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des petites idées et tout. Voilà, des petites choses que vous voulez que je rajoute pour la chambre de je sais déjà plus son nom, c'est super, de Mathias. Eh ben n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup, écoutez, je vois qu'il est actuellement samedi midi 3. Et du coup, eh ben on est en week-end, donc on ne travaille pas. Écoutez, ce que je propose pour débuter cet épisode, non, enfin pour plutôt le continuer, nous allons, eh ben, s'occuper un petit peu de nos sims. Alors je vois que déjà Andrea elle a envie d'aller aux toilettes, donc c'est parti, hop, on va l'amener aux toilettes de sa chambre. Et après, ben écoutez, Mathias il va plutôt bien. Ouais, franchement il va plutôt bien, c'est plutôt cool. Par contre Aaron je sais pas où il est, c'est un petit peu bizarre. Donc hop, écoutez, je pense qu'on va le ramener. Donc hop, amener Aaron Harris ici, voilà, il est revenu. Et d'ailleurs j'étais en train de penser à sa carrière détective. J'avais vu que vous étiez plutôt content, voilà, que l'on prenne la carrière détective, donc du coup je ne pense pas que l'on va changer, voilà. Du moins après, si on voit que c'est un petit peu trop chiant, on changera, mais en tout cas pour le moment du coup ben, j'ai pas envie. Et je crois qu'on a de la visite de nos petits voisins, puisque je vois qu'on a une petite cake aux fruits. Écoutez, et ben pourquoi pas le prendre. Et ben, en fait pas parler aux voisins, parce que moi genre je suis là que pour la bouffe en fait. Non, en vrai écoutez, pourquoi pas, on va faire une petite présentation amusante aux voisins. Voilà, tranquillou, voilà, on fait des nouvelles connaissances tout simplement, c'est plutôt cool. Et puis écoutez, ce que j'ai envie de faire, j'ai aussi envie de m'occuper un petit peu de mes plantes. Voilà, mes petites plantes qui, souvenez-vous, on avait, et ben, planté lors de l'épisode de... ça date pas mal, donc du coup je sais plus trop, 19. Ouais, si je me trompe pas, l'épisode 19. Donc écoutez, bah, pourquoi pas s'en occuper et voir un petit peu, et bah, si on peut genre récolter des produits et tout. Donc c'est parti. Alors la plante de carotte, déjà faut l'arroser. Oh, on peut engager un jardinier. Oh, ça pète. Ouais, mais est-ce que ça servirait? Franchement, est-ce que ça servirait? On a 4 plantes, on n'a pas non plus un terrain agricole quoi. Bon, mais écoutez, hop, on va juste l'arroser de nous-mêmes, tout simplement. On va arroser tout cela. Et je vois, ouais, en fait pour le moment on peut absolument pas récolter des trucs. Voilà, donc du coup ça sert un petit peu à rien. Écoutez, pour le moment on va revenir sur Mathias pour ce qui est de sa carrière, parce que j'étais un petit peu en train de réfléchir à la carrière, tout ça. Franchement je sais pas trop quoi lui donner. Donc écoutez, ben, si vous avez des idées, et ben pourquoi pas me dire en commentaire là aussi. Voilà, comme d'habitude, sachez que franchement j'adore quand vous interagissez genre dans mes vidéos et tout. Genre en fait j'ai envie que le let's play, ce soit aussi votre let's play, que ce soit pas non plus que moi qui décide, même si voilà, faut que quand même ce soit un minimum moi. Enfin je veux dire que voilà, le let's play vient de moi, donc bien sûr il y aura toujours une part de moi. Mais franchement j'adore en fait quand c'est vous aussi qui décidez. Voilà, franchement j'adore faire participer. Du coup ben n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, sachant que en plus je réponds à tous vos commentaires. Sachez au passage, voilà, parce que c'est vrai que j'en parle pas trop, mais les commentaires, je réponds à absolument tout. Voilà, je réponds à tous les commentaires, sachez-le, que ce soit sur YouTube, sur ma page Facebook, tout simplement, je réponds à tout, parce que voilà, franchement, j'adore vous répondre, j'adore et ben échanger avec vous. Du coup, je vois que Aaron il a arrosé les plantes, mais par contre, il en a foutu partout. Genre, le mec il arrose aussi bien que moi, voilà, parce que franchement, moi le jardin, mais c'est tellement pas mon truc. Donc écoutez, ben franchement, je sais pas trop quoi faire de plus. Je vois que Aaron il est un petit peu mal à l'aise, mais en fait, c'est parce que voilà, genre, il est dans un environnement déplaisant. En même temps, t'as un petit peu dégueulassé le truc, donc écoutez, ben pourquoi pas le nettoyer. Et écoutez, ben pourquoi pas réaliser un truc que j'ai vu lorsque j'ai les Sims 4, il s'agit du défi VG Sims, que d'ailleurs vous pouvez voir en haut. Le défi VG Sims, franchement c'est hyper dur à dire, le défi VG Sims. Je crois que, en fait, bon c'était pas sous forme de défi, mais les VG Sims, c'était dans les Sims 3 si je me trompe pas. En fait c'était des personnes vertes, enfin genre c'était des personnes plantes un peu et tout, si je me trompe pas. Enfin en fait ça date tellement, ça fait tellement de temps que j'ai pas joué aux Sims 3, du coup voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu loin pour moi. En tout cas écoutez, ben, pourquoi pas réaliser ce défi dans cet épisode, je pense que ça peut être plutôt cool. Donc écoutez, bah, sans plus tarder, je pense que, eh bien, on va directement le commencer. Et franchement, pourquoi pas le faire, eh bien, avec Mathias. Voilà, Mathias va être un petit peu le cobaye de ce défi. Donc écoutez, bah, pourquoi pas le réaliser avec lui. Donc pour le défi VG Sims, on nous dit qu'il se termine dans 13 jours. Bon, bah, écoutez, on a plutôt pas mal de temps. Et après, on nous dit qu'il faut donc terminer cette collection en parlant à des VG Sims et en obtenant auprès d'eux des points magiques correspondant à leur état émotionnel actuel. Pour en savoir plus et obtenir vos propres souches de VG Sims magiques, appelez Jasmine Olivier
Only Day. Je crois que d'ailleurs on l'avait déjà appelée celle-là. Ouais, en fait, genre en fait, elle vient à chaque défi, la fille. Et après, on nous dit quoi? On nous dit que lorsqu'elle sera là, demandez-lui des renseignements sur les défis VG Sims. Bon, mais écoutez, je pense que, eh bien, on va l'appeler directement. Voilà, sans plus tarder, on va directement l'appeler. Donc, sans plus tarder, on va directement aller sur le petit téléphone et nous allons appeler Jasmine Holiday, qui, je l'espère, va arriver vite. Parce que voilà, moi, je suis pas venu ici pour glinder, ok? Donc, c'est parti, nous avons un petit message qui nous dit que Jasmine, elle va arriver d'une minute à l'autre. Franchement, j'espère qu'elle va arriver vite parce que voilà, moi, je sais pas que ça fout, franchement. Donc, écoutez, ben, on va l'attendre patiemment. Voilà, tranquillou. Et pendant ce temps, je vois que, eh ben, Andrea, elle a un petit peu faim. Donc, écoutez, ben, on va préparer un petit truc à manger. Hop, c'est parti, cuisiner. Et on va, vu qu'elle est végétarienne, cuisiner des macaronis au fromage familial. Et voilà, tout simplement, on va faire des petites pâtes. Bon, Jasmine, tu fais quoi là? Est-ce que t'es en bas de l'immeuble ou ça se passe comment? Ah, ben, attendez, c'est Jasmine ça? Ah non, non, c'est notre voisin. Super, moi, je confonds les gens, c'est n'importe quoi. Jasmine, où es-tu? Attends, c'est toi, Jasmine? Non, ça, c'est Saya. Ok, super. Bon, mais c'est bon, les amis, je crois que cette personne, c'est Jasmine. Oui, voilà, c'est Jasmine, coordinatrice des défis. Voilà, la meuf, boulot posé. Voilà, elle est coordinatrice des défis et tout, au calme. Bon, mais écoutez, c'est parti. On va, eh bien, directement cliquer sur elle. Et bien sûr, se renseigner sur le défi VG Sims. Écoutez, on va directement sélectionner Mathias et on va le faire avec lui. Puisque voilà, je veux que ce soit lui qui réalise ce défi. Voilà, du coup, comme ça, eh bien, on commence directement à vraiment jouer avec lui. Et on va dire que du coup, eh bien, ce colocataire sert à quelque chose. Voilà, tout simplement. Du coup, hop, c'est parti. Alors, pourquoi ça ne veut pas marcher? Ah, mais la porte, elle est verrouillée. Ah ouais, elle est verrouillée. Non, elle est pas verrouillée. Mais pourquoi ça marche pas? C'est un petit peu chelou. Attendez, hop, se renseigner. Bon, bah ok, c'est bon, il y a eu un petit bug. Voilà, comme d'habitude. Du coup, nous avons un très 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 long message. Voilà, un roman de Jasmine Holiday qui nous dit donc que le défi VG Sims est disponible pour une durée limitée. Ce qui veut dire que du coup, faudra aller très très vite pour le réussir. Franchement, faudra aller hyper vite. Et du coup, on a différentes étapes. Chercher les VG Sims dans le quartier. Ok, d'accord. Après, il faut que lorsque vous en trouvez, demandez-leur de vous donner un poids magique. D'accord. Le type de poids qu'ils vous donnent dépend de leur émotion actuelle. Donc du coup il faut un VG Sims qui soit content, tout simplement. Après il faut que une fois que vous avez un poids, placez-le dans une souche de VG Sims magique. Il y en a une dans votre inventaire, dans l'inventaire genre de lui là. Ah ouais, ok, d'accord. Ah oh ouais, mais genre c'est un arbre le truc. Mais tu me vois placer ça dans mon appartement? Mais t'as, t'es sérieuse en fait? Je vais pas placer ça moi. Bon écoutez, en tout cas on nous dit que une fois les 6 poids uniques placés, vous pouvez arroser la souche et voir pousser des choses magiques. D'accord, ok, donc en fait c'est la plantation du turfu. Voilà, tout simplement. Bon mais écoutez, ben pourquoi pas directement commencer ce défi. Après nous avons un petit message de comment il s'appelle le gars? Ayaka, je sais plus comment il s'appelle en fait, il y a tellement de noms. On nous dit quoi? On nous dit bonjour, ça sent bon chez vous. Normal, je suis des pâtes. Qu'est-ce que c'est? Je peux goûter? Je suis d'excellente compagnie. Ben ouais, écoute, si tu veux, vas-y, on a pour tout le monde, frère. Bon, du coup, écoutez, ce que je propose, c'est que l'on commence directement ce défi VG Sims. Et puis, écoutez, on va directement, et eh ben, descendre un petit peu dans le quartier afin d'en trouver. Alors, par contre, je sais absolument pas à quoi ressemblent les VG Sims. Voilà, tout simplement. Voilà, je sais pas à quoi ça ressemble. Je suppose que c'est des bonhommes verts. Voilà, si c'est comme dans les Sims 3, si je me trompe pas. Donc, écoutez, ben, c'est parti. On va directement en chercher. Alors, bon, il y en a pas ici. Est-ce que toi, tu es un VG Sims? Est-ce que t'es un VG Sims? Non, tu es un réparateur électrique. Voilà, tout simplement. Bon, du coup, les amis, j'ai franchement pas l'impression d'en avoir dans le quartier. Franchement, il y a vraiment pas l'air d'en avoir. En même temps, on a Saint-Michino, c'est pas trop le quartier, genre des plantations, voilà. Donc du coup, écoutez, ben, je pense qu'on va bouger. Ouais, je pense qu'on va bouger. Je fais au cas où un dernier tour parce que voilà, on ne sait jamais. Mais franchement, mais ouais, il y a pas l'air d'en avoir. Écoutez, ben, sans plus tarder, je pense que l'on va se rendre à un petit endroit. Donc hop, c'est parti. On va prendre eh ben Mathias du coup et on va et eh ben se déplacer, voilà, à aller tout simplement. Est-ce qu'on y va avec des gens ouais, franchement, j'ai pas trop envie. Donc écoutez, hop, c'est parti. On valide tout ça et on va directement et eh ben se rendre sur la map. Donc du coup, je vous avoue que franchement, je sais absolument pas où aller. Est-ce qu'on reste à Saint-Michino ou est-ce qu'on bouge? Tout d'abord, le parc de Saint-Michino, je pense que je vais y aller très 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 prochainement dans ce LSP. Donc du coup, je pense pas que on va y aller avec Mathias. Du coup, écoutez, on a quoi? On a Willow Creek, Oasis Springs, Windenburg. Windenburg, ça me tente. Ouais, j'ai bien envie d'aller à Windenburg. Écoutez, hop, c'est parti. Franchement, j'espère en trouver parce que si j'en trouve pas, ça va vite me saouler. Du coup, Windenburg, où est-ce qu'on pourrait aller? Et ben pourquoi pas au Lièvre et Hérisson. Voilà, au café Lièvre et Hérisson. Et puis écoutez, sur ce, je vous retrouve dans moins d'une seconde à ce café. Donc c'est parti les amis, nous sommes donc arrivés au café. Et cette fois-ci, on va tout d'abord pourquoi pas prendre un café, mais bon, peut-être plus tard. Mais là franchement, j'aimerais vraiment trouver les VG Sims tout simplement. Je vous avoue que c'est juste hyper dur à dire, donc
donc parfois j'écorche mais comme jamais le mot. Bon écoutez, sans plus tarder, on va faire un petit tour dans Windenburg plutôt, qui franchement est hyper classe. Ça m'avait quand même pas mal manqué, même si voilà, j'y suis retourné dernièrement. C'est une ville que j'aime beaucoup. Bon du coup écoutez, on va voir un petit peu si on a un petit peu des VG Sims qui se baladent. Franchement j'ai pas l'impression d'en voir et ça me dégoûte, voilà tout simplement. Ah ben c'est bon les amis, regardez qui je viens de trouver, notre premier VG Sims, Jacques Roussel, qui au passage est un sim normal avant, hein, voilà. Donc il est devenu VG Sims, voilà. Je sais pas comment d'ailleurs on devient VG Sims dans ce jeu, mais bon. Et bien sans plus tarder, nous allons directement un petit peu avancer le temps et donc essayer de récolter notre première graine. Je crois qu'on appelait ça comme ça parce que voilà, en fait il y a tellement de termes que je ne sais plus. Du coup hop c'est parti, voilà Mathias qui a d'ailleurs envie d'aller aux toilettes, c'est un petit peu la merde. Et ben va parler du coup sans plus tarder à Jacques Roussel. Et puis écoutez, hop on va directement cliquer dessus, voilà on lui fait une petite présentation amicale. Et après cela, et ben on va directement lui demander le point magique tout simplement. Donc déjà je vois qu'il est un petit peu en colère, donc on va essayer de le calmer afin de le rendre heureux et d'avoir et ben le meilleur poids possible tout simplement. Ok, pourquoi tu t'énerves? Non mais s'il te plaît, oh moi je suis pas dans tes embrouilles, pourquoi tu t'énerves contre moi là? Oh s'il te plaît calme-toi. Bon mais c'est bon les amis, je viens de voir que maintenant et ben Jacques Roussel il était heureux, donc écoutez c'est plutôt cool. Donc sans plus tarder on va lui demander le petit poids magique et franchement j'espère vraiment qu'il va nous le donner. Pendant ce temps on va voir si un petit peu des autres VG Sims, est-ce que c'en est un ça? Attendez mais c'en est un? Ouais c'en est un, bon bah écoutez c'est super, on va directement cliquer dessus et on va voir s'il nous donne un petit peu le poids tout simplement. Hop c'est parti, présentation amicale. Malheureusement je ne ressens aucune émotion me permettant de donner un poids magique actuellement. Avant de me demander un poids, essayez de me rendre joueur, triste ou en colère, mal à l'aise, en gueuleur ou confiant. Ah mais ok, le mec il devait être genre énervé pour qu'on lui donne. Ok d'accord, y a pas de problème, je vais te rendre énervé, tu vas rien comprendre à ta vie. Donc écoutez c'est parti, hop on va directement et ben crier sur. Bon par contre ça serait bien que le jeu il fonctionne parce que là ça bug, je ne sais pas pourquoi. Voilà comme d'habitude je sais pas pourquoi mais franchement les amis, à chaque fois sur les interactions j'ai des bugs, c'est un petit peu bizarre. Du coup écoutez on demande directement à notre sim Nicolas Bertrand qui au passage était aussi normal avant. Franchement ça me fait peur cette population qui devient verte, voilà c'est un petit peu spécial. Bon du coup est-ce que tu peux nous donner toi? Donc écoutez hop c'est parti, demander un poids magique, j'espère vraiment qu'il va pouvoir nous le donner. Ça a marché? Est-ce que ça a marché? S'il te plaît donne le nous, voilà on est gentil avec toi s'il te plaît. Est-ce qu'il nous donne? Avant de me demander un poids, essaye de me rendre joueur, triste, en colère, mal à l'aise, en joueur ou confiant. Ok d'accord, bon mais y a pas de problème, je vais aussi te rendre en colère, tu vas rien comprendre. Bon écoutez hop c'est parti, plus de choix, méchant, s'en aller. Du coup c'est bon les amis, nous avons et bien réussi à rendre Nicolas Bertrand en colère, voilà. Du coup sans plus tarder on va cliquer sur lui et on va et bien réessayer de lui demander le point magique. J'espère vraiment qu'il pourra nous le donner parce que franchement s'il le donne pas ça m'énerverait beaucoup. Pendant ce temps on va essayer de chercher un autre VG Sims dans le petit quartier de Windenburg. Nicolas a donné un point magique en colère à Mathias. Ok d'accord, bon écoutez c'est super et nous en avons donc 1/6, donc écoutez c'est plutôt cool. Pendant ce temps on va essayer du coup d'en chercher un second VG Sims et je vois que nous en avons un autre qui est donc ici. Et en fait et bien attendez mais c'est Jacques Roussel ou pas? Attendez c'est... Ah mais le mec il avance, je peux pas cliquer. Oui bon écoutez je vois qu'il est en colère, bon mais du coup je pense que ça peut marcher. Hop c'est parti, demander un poids magique. Donc c'est parti, Mathias est en train de demander le petit poids tout simplement. Et c'est bon, Jacques a donné un poids magique en colère à Mathias, ce qui fait donc que l'on en a... Ah mais attendez mais il y en a plusieurs sortes. What? Mais attends, oh il est trop dur le défi, ouais c'est trop compliqué wesh. Attendez donc du coup il faut tous les genres de machin truc là. Oh là là ça va être hyper compliqué. En fait si je... En fait j'ai compris ouais. En gros faut rendre les sims dans divers états pour avoir divers genres de graines tout simplement. Du coup attendez, pour avoir en fait plusieurs genres on a quoi? Il faut joueur triste, en colère, mal à l'aise, en jeuleur ou confiant. Écoutez ben pourquoi pas le rendre triste. Attends mais en fait comment on fait pour rendre un sim triste? C'est drôle. Bon bah écoutez on va pourquoi pas le rendre en jeuleur. Je pense que ça peut être plutôt facile. Donc c'est parti amour, on va lui demander s'il est célibataire. Écoute y a pas de problème. Hop c'est parti. Et après pendant ce temps je vais essayer d'en trouver un autre qui pourrait peut-être nous donner un petit poids. Bon écoutez les amis là je suis en train de lui faire des trucs genre d'amour et tout mais le mec il est embarrassé, paniqué, voilà. Donc écoutez ça prouve que moi voilà niveau drague c'est la catastrophe tout simplement. Bon mais du coup voilà on a que un seul poids, franchement je suis dégoûté, j'en veux un deuxième moi. Bon du coup les amis nous sommes donc de retour au 702 Vuzen, donc tout simplement notre appartement, parce que à Windenburg
Nuremberg, mais aussi dans d'autres quartiers, parce que j'ai quand même vite fait regarder. Malheureusement, je ne trouvais pas de VG Sims. En fait, je pense que c'est parce qu'il est hyper tôt, et vu que les Sims, ils sortent pas trop la nuit et tout, et ben tout simplement pas de VG Sims, tout simplement. Donc écoutez, je pense que du coup, au prochain épisode, ou peut-être dans une vidéo spéciale, je ne sais pas, parce que je pense que faire une vidéo spéciale sur les VG Sims, ça peut être plutôt intéressant. Mais en tout cas, voilà, je pense que dans de futures vidéos, et ben du coup, nous continuerons ce défi, et que du coup, et ben du moins pour cet épisode, on va et ben du coup l'arrêter, parce que c'est vrai que ben malheureusement je n'en trouve ben absolument pas, voilà tout simplement. Donc du coup, comme vous le voyez, nous sommes donc de retour à la maison et je vois que nos plantes ont poussé. Ouais, je vois que cette petite plante a poussé. Alors est-ce qu'on peut collecter des produits tout? Non, on peut pas malheureusement. Et je vois un petit peu que Andrea, elle a encore faim, voilà, comme d'habitude. De toute façon, cette meuf, elle a toujours faim. Donc écoutez, bah sans plus tarder, on va lui donner un petit peu à manger et je voulais voir un petit peu son travail. Est-ce qu'elle est au boulot aujourd'hui? Ah ouais, mais elle doit aller au travail là. Attendez les amis, il est 6h, il est 6h10, ouais, elle doit aller au travail. Bah d'ailleurs, elle part travailler. Et ben écoutez les amis, je pense que maintenant que Andrea est partie au travail, que c'est vrai que Mathias et Aaron n'ont pas de boulot et tout, et ben je pense que l'on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, c'était un épisode, on va dire, un petit peu plus court que d'habitude, mais c'est vrai que c'était un épisode, on va dire, un petit peu présentation tout d'abord d'un colocataire. Nous avons aussi fait un petit peu d'aménagement, voilà, avec la chambre de Mathias et tout, c'était plutôt cool. Mais surtout, voilà, nous avons commencé le défi VG Sims, ce que bien sûr nous continuerons et ben dans les futurs épisodes. En tout cas, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime et bien sûr aussi à me dire comme d'habitude aussi vos envies en commentaire pour les futurs épisodes. De plus, je vous invite à me suivre en vous abonnant à ma chaîne et aussi en activant les notifications pour être tenu au courant de l'arrivée des prochains épisodes de ce let's play. Et puis quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.